Allez, on se retrouve pour la suite d'Aka Manager à Cambridge. Se rappelle, on a fait une défaite lors des derniers matchs en coupe face à Tottenham au tir au but. On reprend le championnat là. Allez, l'ouverture du score! Signé Pierre Masson. Deuxième but hein, cette saison. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Il ne reste plus grand chose à mon chrono. S'il marque sur ce corner, la cause sera entendue. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Mauvais dégagement là, attention. Ah, superbe intervention du gardien au tout dernier moment. Action vraiment extrêmement dangereuse. Allez, victoire de Cambridge. Ah, c'était. On les a dominés. Et on a gagné 15-0. C'est bien, on se relance après la défaite contre Tottenham. Oh, mais il y a une autre coupe. Là, il mérite cette FA Cup. Là, tu joues quand même 3 coupes quand t'es en 4ème division anglaise. Peut-être qu'on a déjà été éliminé des deux autres. J'ai envie de voir un truc. Il a de belles perspectives d'avenir, notre jeune joueur Henriksen. 16 ans en plus, titulaire. Notre jeune pépite. Allez, premier tour de Community Shield, non de The Emirates FA Cup. On est à domicile.
deux équipes toujours en course dans l'Emirates FA Cup. On attend beaucoup de ce match, hein, Pierre. Oui, une rencontre qui permet de s'évader un peu du championnat, comme toujours dans une coupe. Les équipes en difficulté au classement voudront faire oublier leurs mauvais résultats ou faire des choix d'effectifs pour ce match. Ce sont deux excellents joueurs, hein, que nous avons le plaisir de voir évoluer aujourd'hui, Pierre. Vous gâtez aujourd'hui, Hervé, avec deux joueurs aussi talentueux. On les avait battus deux en championnat. On va voir si on peut les battre de nouveau en FA Cup. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme il disait Jean-Claude, en plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif. La passe est coupée et bien défendue. Il essaye de trouver la faille. Oh, il va filer au but. Allez, l'ouverture du score pour Cambridge. Qui c'est qui a marqué plus, je crois que c'est Henriksen. Oui, c'est notre jeune joueur dans le club qui marque. Là c'est 600 points qui est blessé. C'est comme Smith quand il était là. Et le 2-0! Rentré il y a quelques minutes auparavant. Knibbs. Allez, 2-0. Ils accentuent leur avance. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oh, le 3-0! Le doublé, je crois, d'Henriksen. Ah, c'est mérité, il a fait un gros, gros match. Le jeune joueur. Le Brunard est sur place, il avait attendu de son sur place et le but est juste une frappe. 3-0. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. La transversale pour renverser le jeu. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. La passe est coupée.
Allez, victoire 3-0 en coupe. En effet cup. Qui nous permet de passer un tour. On se retrouvera donc pour le prochain match. On jouera ce match face à Warsaw. Un prochain épisode. Allez, à plus.